Le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. Vous avez rencontré Agnès Buzyn cette semaine. Alors, on nous dit, selon nos informations, que des discussions entre les deux campagnes ont commencé. Un lendemain, nous dit-on, jusqu'à l'examen des comptes. Alors, est-ce qu'un rapprochement pourrait intervenir, même avant le premier tour, entre vos deux campagnes? Mais le premier tour, les listes sont déposées. Le calendrier est très très serré. Et une discussion ne pouvait s'envisager qu'en commençant par le fond. Et c'est ce que j'ai dit dès le début. Il faut discuter programme, qu'est-ce que nous voulons les uns et les autres. Et je constate que dans cette campagne, il y a des enjeux, des idées que je suis le seul à porter. Et des enjeux qui pour moi sont fondamentaux par rapport à Paris. Porter un grand plan écologique à financer, budgéter à pas moins de 5 milliards d'investissements pour la mandature à venir. Porter aussi le grand projet de la Grande Cité. Une discussion de rapprochement ne peut commencer que Cédric par une discussion. Cédric Bellamy, mais la question Nicolas Barré, c'est précise. Est-ce qu'il y a un rapprochement possible avant le premier tour? Mais c'est clair, il n'y a pas de rapprochement de premier tour, bien évidemment. Mais de deuxième tour, pourquoi pas? Et pour le deuxième tour, le moment n'est pas venu. Pour l'instant, je suis ouvert, je suis à l'écoute, comme toujours, un homme de discussion. Mais ce qui m'importe ici, c'est de mettre en œuvre le projet, les idées, et de faire valoir les idées du programme. Le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.